salut à tous, bonjour. Voilà, je fais une vidéo sur YouTube, j'ai pas trop l'habitude. D'habitude, je suis un monteur vidéo, donc c'est moi qui fais les vidéos sur. Je monte les vidéos sur YouTube. Là, pour une fois, j'ai décidé de parler un peu aussi parce que je m'emmerde, mais surtout parce que l'heure est grave. Surtout encore plus inquiet depuis lundi, le discours d'Emmanuel Macron. J'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'un maximum de personnes partagent cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. Ce que je veux, c'est qu'un maximum de personnes partagent cette vidéo pour qu'on ait une petite chance. Je croise les doigts pour que Brigitte Macron tombe sur cette vidéo et la partage à son mari Emmanuel Macron. Vous, ça ne sert à rien que vous la regardiez parce que vous êtes intelligent. Vous n'avez pas besoin d'entendre ce que je vais dire. C'est pas une vidéo complotiste, c'est pas une vidéo fake news, c'est juste une vidéo de bon sens. Donc merci à tous d'avoir partagé cette vidéo. Maintenant, je m'adresse directement à notre cher président de la République. Alors, je vais m'adresser à lui de manière un peu élogieuse. Hein. Ça ne représente pas forcément le fond de ma pensée hein, sur lui. Mais quand on s'adresse à un président de la République, si on veut avoir une chance d'être écouté, il vaut mieux le flatter. Bonjour, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Certainement l'un des meilleurs présidents de la République depuis au moins François Hollande. J'ai écouté attentivement votre discours lundi 13 avril et je suis très, très inquiet, surtout quand vous dites ça. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, on m'a expliqué au collège, ça fait il y a 20 ans maintenant, qu'il y avait un virus qui était très dangereux, qui était mortel, qui pouvait tuer n'importe qui. Des jeunes, des vieux, des personnes en bonne santé. Et que ce virus, il s'appelle le VIH. Ça fait plus de 35 ans, on n'a toujours pas le moindre vaccin pour ce virus. Le seul vaccin qu'on ait trouvé, c'est les gestes barrières. C'est soit on met un masque, mais au lieu de le mettre sur la bouche, on le met sur sa zigounette. Et surtout, le plus important, le dépistage. Depuis que j'ai 11 ans, on me dit c'est important de se faire dépister. On fait des matraquages à la télévision. Faites-vous dépister. Même si vous êtes puceau, faites-vous dépister. On ne sait jamais. Et mettez un masque sur votre zigounette. Car il n'y a toujours pas de vaccin pour cette maladie. Et on ne peut même pas la soigner. Depuis quelques semaines, il y a un nouveau virus, le coronavirus. Ce virus est plus du cousin de la grippe. Pas le même virus que le sida, vu qu'il s'attrape par les postillons. Et quand on se frotte les mains, qu'on a récupéré de la salive et des postillons, et qu'on se frotte les mains, les yeux, voilà, comme ça, on attrape ce virus. Maintenant, Manu, ça suffit. Ça fait un mois qu'on est enfermé à la maison. Il continue à y avoir des morts. Tu te poses pas un petit peu la question pourquoi? Parce que tu dis aux gens, vous n'avez pas le droit d'aller à la plage, vous n'avez pas le droit de voir vos amis, mais par contre, vous pouvez prendre le métro sans masque. Voilà, voilà, vous pouvez continuer à aller au travail sans masque, mais vous n'avez pas le droit d'aller à la plage et de profiter de la montagne et du grand air. Par contre, vous avez le droit d'aller au métro. C'est comme si tu disais à un type qu'avec le VIH, tu n'as pas le droit de voir ta grand-mère. On sait jamais, tu pourrais avoir envie de... Manu, maintenant ça suffit. Masque, dépistage. Masque, dépistage. C'est tout. T'as un mois. Un mois pour faire 30 millions de tests. Un milliard de masques. Un mois. Demande au roi du Maroc, demande au type qui a fermé son usine il y a 2 ans en Bretagne de réouvrir son usine. Le problème, il est réglé en un mois. Dépêche-toi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous d'avoir partagé la vidéo. Et à dans un mois, à la plage et à faire la fête. Voilà. Allez, avec notre masque et notre test de dépistage. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens.